Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Ignace. Nous sommes de retour pour un témoignage puissant et c'est la suite du témoignage puissant précédent. Ici, nos jeunes sœurs asiatiques vont encore nous expliquer certaines choses. En fait, elles vont nous révéler les stratégies que le diable et ses démons utilisent contre les chrétiens, dans, genre les stratégies pour éloigner les chrétiens de Dieu ou de la croix de Dieu, ou même empêcher les chrétiens de prier comme il se doit. Mes frères et sœurs, je vous dis, un vrai chrétien, c'est une personne qui a la crainte de Dieu et qui est aussi plongée dans la parole de Dieu et la prière. Plus vous priez et que vous lisez la parole de Dieu, vous grandissez et vous accomplissez de grandes choses spirituellement. Et la vie d'un chrétien se résume à ça. La crainte de Dieu, la prière, l'amour de la parole de Dieu. Une fois que vous aimez la parole de Dieu, vous aimerez votre prochain. Et vos fruits seront de très bons fruits. Toutes ces choses sont extraordinaires, mes frères. Toutes ces choses sont jolies. Et notre ennemi a analysé notre situation et s'est dit, ah, j'ai eu tout le monde, j'ai eu tout le monde. Mais les chrétiens, là, c'est assez difficile. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour les faire tomber. Du coup, le diable et ses démons ont pris notre dossier en compte. Regardez, regardez la main, regardez la main, regardez la main. Regardez la femme, regardez la femme. C'est comme le diable qui est la femme là. Et ses démons sont derrière. Et ils ont dans ce livre là tous les plans contre les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour nous empêcher de prier. Et 24 heures sur 24, hein, ils sont en train de réfléchir juste en ce moment. Et c'est là les chrétiens sont en train de dormir. C'est là les chrétiens sont en train de rigoler. Certains passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, au point où pour prier, c'est devenu difficile. Ah! Moi-même hier, hier, j'ai tellement travaillé jusqu'à... J'étais même épuisé. Tellement épuisé que je n'ai pas prié comme d'habitude. En fait, j'ai juste dit dans mon cœur, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, pour le contrôle de ma vie, pour le contrôle de tout, veille sur moi, veille sur ma nuit. Et au lieu de me lever pour pouvoir lire la parole de Dieu, je ne l'ai pas fait. Et le sommeil m'a trouvé dans ça. Pendant que je regardais mon portable, je regardais, je faisais tout, je regardais les trucs, le sommeil m'a trouvé dans ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, je me suis retrouvé dans mon sommeil. Dans mon sommeil, un songe en même temps. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir les choses. Aujourd'hui, là, il y a juste là, je viens de me réveiller, il y a juste quelques heures seulement. Dans mon songe, je vois une fille. Elle est athlète. Et vous savez que les athlètes, là, souvent, ils courent. Et elle faisait une course. La fille, elle était derrière. Elle courait avec d'autres personnes, d'autres filles. Il y avait une fille devant elle. Maintenant, elle courait, elle courait, elle courait. À un moment donné, elle a eu de la force. Elle a couru et elle a dépassé la fille qui se trouvait devant elle. Du coup, elle est devenue la première. Et elle courait, elle était à fond les ballons dans ça. Maintenant, arrivé à 2 mètres de la ligne de la fin, c'est-à-dire la ligne qu'elle doit dépasser pour qu'on dise, oh, pour qu'on dise qu'elle a gagné là. Arrivée là, elle a commencé à courir en ralenti. Elle a commencé à courir en ralenti. En ralenti. Pendant qu'elle courait en ralenti là, elle était presque proche de dépasser la corde pour qu'on dise qu'elle a gagné. C'est en ce moment-là que son adversaire qui était derrière là l'a dépassé.
Son adversaire l'a dépassé, son adversaire a gagné. Tout le monde était étonné. Tous ceux qui regardaient ça, ils étaient tous étonnés. Même moi-même qui avais le songe, j'étais en train de regarder le songe et je voyais ces genres de choses et je me plaignais, je me disais, mais ah, qu'est-ce qui passait dans sa tête? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas gagné? Elle était presque arrivée, au lieu de continuer à courir, elle a ralenti. Peut-être qu'elle a ralenti. C'est en ce moment-là que l'autre est venu la dépasser. Et je pouvais voir le coach à cette fille-là. Il était dans tous ses états. Il pouvait même voir la mère à cette fille. Elle seule était dans tous ses états. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais quand je me préparais à sortir de ce sommeil-là, voici que Dieu maintenant va venir vers moi et me parler. Dieu arrive et est-ce que c'est ce que Dieu m'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, la fille que tu as vue là, c'est toi. Hier, tu devais prier et lire la parole de Dieu en même temps. Comme d'habitude. Mais toi, tu as juste prié de ton cœur et tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas lu la parole de Dieu et tu t'es endormi. C'est comme si ta prière que tu viens de faire là, c'était incomplète. Tu devais lire la parole de Dieu aussi, comme tu le fais d'habitude. Dieu n'a pas aimé ça. C'est pourquoi il t'a montré cette image-là. Pour que tu puisses sentir comment Dieu se sent quand vous vous comportez comme ça. Quand on prie, on lit la parole de Dieu en même temps. Si tu adorais Dieu et tu avais l'habitude de faire ça, Dieu a pris goût à ça, continue à faire. Ça veut dire que la partie où la fille courait fortement là et elle a pris le dessus au départ là, c'était la partie où j'avais prié. Et vraiment bien prier. Mais la partie où elle a commencé à ralentir, c'est égal à la partie où je n'ai pas eu le temps de lire la Bible et je me suis endormi. Voici comment Dieu parle et nous aide à comprendre les songes. Tout ce que vous faites dans la vie réelle, vous retournez dans votre sommeil directement là-bas. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que je m'endors. Ce sont les sons, ce sont les messages de Dieu. Dieu me parle comme ça. Vous, comme si j'étais mes voisins de classe. Plus il me parle, plus je m'endors et il me réveille. Quand il s'arrête de me parler, c'est là qu'il me réveille. Tant qu'il n'a pas encore fini d'arrêter de me parler, je ne peux pas me réveiller. En fait, c'est lui qui gère tout. Je suis comme ça. C'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que je vis, que je vous explique comme ça. Comme c'était moi puissant. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention, les chrétiens, les chrétiennes qui s'amusent. Avant, tu priais beaucoup, maintenant tu as cessé, Dieu est fâché. Avant, tu chantais beaucoup, tu louais Dieu, maintenant tu as arrêté, Dieu n'est pas content. Tu lisais beaucoup la Bible, mais tu sortais dans la rue pour évangéliser les gens, tout le monde appréciait, même les pré-païens même disaient, ah, c'est bien ce qu'elle est en train de faire, mais aujourd'hui, elle a arrêté. Dieu n'est pas du tout content. Dieu n'est pas du tout content. Et ce message-là est pour tous les chrétiens. Levez-vous. Vous avez assez dormi, vous avez assez passé du temps sur les réseaux sociaux. Changez de stratégie. Si vous savez que vous allez dormir à 20h, déjà à 15h, commencez à prier et lisez la Bible. Faites ce que vous devez faire pour Dieu. Là, vous êtes libéré. Vous devez faire ce que vous devez faire. Mais le reste du temps, c'est Dieu qui s'en charge. La parole de Dieu nous dit de lire la parole de Dieu
nuit et jour. C'est-à-dire la nuit avant de t'endormir, tu dois lire la Bible. Tu dois lire la parole de Dieu. Le matin, tu dois lire la parole de Dieu. Nuit et jour. La nuit et le jour. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tous les chrétiens doivent suivre ce que Dieu dit. Vous priez. Mais après votre prière, Dieu doit vous parler. Vous devez avoir la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. Même si tu as lu toute la Bible, mon frère, lève-toi. Même si c'est un seul verset que tu vas lire avant de t'endormir, ce sera une nourriture pour ton âme, pour ton esprit, parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Est-ce que parce que tu as mangé trop du hamburger, 2 mois plus tard, tu as dit que oh, j'ai trop mangé du hamburger, je ne vais plus manger encore, alors qu'il n'y a que du hamburger que tu peux manger? C'est pas parce que tu as tout mangé du poulet que tu as dit oh, j'ai trop mangé du poulet, et puis je n'ai jamais mangé du poulet encore. La parole de Dieu, c'est comme ça. C'est comme si tu étais du poulet. Les gens qui disent que, oh, on nous dit tout le temps les mêmes choses à l'église, ça devient une répétition. Ce n'est pas une répétition pour ton âme. Ce n'est pas une répétition pour ton esprit. Toi, écoute seulement la parole de Dieu chaque jour. Et il faut aimer écouter la parole de Dieu. Il faut aimer la vérité parce que c'est que la vérité. La plupart des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, ce sont les gens qui n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas du tout la vérité, les gars. C'est vrai. Et le diable a vu tout ça. Il a inventé la télévision et de vrais programmes pour pouvoir vous distraire. Il a inventé les réseaux sociaux et des filles qui passent tout leur temps à montrer leur corps pour vous amadouer, pour vous chatouiller, pour vous faire bouger un peu les nerfs, les chrétiens. Hey, les chrétiens. Ce message est pour tous les chrétiens. Si tu n'es pas un vrai chrétien, hein, si tu n'es pas un gars qui aime la vérité, pardon, faut aller regarder la vidéo suivante en même temps. Parce que ici, nous sommes dans un témoignage puissant. Sûr? J'en serai pas. Et quand je me suis réveillé, je suis maintenant venu au studio et c'est là que je suis tombé sur ce témoignage que j'aimerais partager avec vous. Et bizarrement, ce témoignage-là parle de ce que je viens de vivre. Et nous allons aller plus, nous allons aller en profondeur pour découvrir comment les démons ils travaillent sérieusement contre nous. Vous ne pouvez pas voir les démons, mais vous pouvez voir les réseaux sociaux. Vous pouvez voir les femmes qui sont sur les réseaux sociaux qui exposent leur corps. Vous pouvez voir les gens qui font des bêtises souvent. Et vous pouvez voir vos œuvres. Est-ce que tu priais avant et tu as arrêté aujourd'hui? Est-ce que tu lis la Bible, la parole de Dieu? Est-ce qu'avant de dormir, tu pries et tu lis la Bible? Est-ce que le matin quand tu te lèves, tu pries encore et tu lis la Bible? C'est là que c'est ce comportement-là qui va te conduire au ciel. Si tu ne le fais pas maintenant, là, comment veux-tu entrer au paradis? Dieu essaie, nous devons nous sanctifier. Nous devons vraiment éviter le péché. Dieu dit prier sans cesse pour pouvoir résister à la tentation. Et si toi, tu ne pries pas maintenant? Je vous dis, les sorcières, ils s'attaquent les gens 24 heures sur 24. Alors qu'eux sont les sorciers. Mais quelle différence y aura-t-il entre toi, chrétien, et l'autre? Prie. Fais toutes sortes de prières et de supplications. Tu pries dans ton cœur. Même sur le lieu de travail, tu pries. Tu pries, tu demandes juste à Dieu de te tenir compagnie. Même si tu n'arrives à lui dire, dis-lui quelque chose. Comme bonjour, est-ce que ça va? Le fait même que tu sois en train de penser à lui seulement là, ça t'apporte quelque chose. Ça t'apporte une bénédiction. Je leur dis, c'est quoi? C'est comme ça se passe. Maintenant, nous allons entendre ce témoignage puissant. Nous allons l'écouter. Vous devez partager cette vidéo à tous les frères chrétiens que vous connaissez. Appelez-les, dites-les, venez, venez écouter ça. Un frère a eu des choses. Moi, j'ai vu des trucs. Moi-même, quand j'ai vu ça et j'analyse cette situation, je vois que si Dieu est vraiment avec ça, si Dieu est depuis là avec moi, c'est parce que y a certaines choses qui lui plaisent en moi.
Et je ne peux pas permettre que ces choses qui lui plaisent à moi-là disparaissent facilement. Pour que Dieu me regarde toujours, il faut que je prie. Il faut que je lise la parole de Dieu pour lui faire plaisir. Et il faut que je prenne plaisir à le faire parce que c'est ce qui va m'amener au ciel. Comme ce témoin puissant parlera des démons, des esprits bizarres, mes frères et sœurs, je pense que, comme d'habitude ici, sur Union Seconde, lors des témoignages puissants, je pense que là, maintenant, nous allons prier. Nous allons prier et demander pardon à Dieu et lui demander sa grâce, sa faveur, son sang pour nous purifier, nous transformer aujourd'hui et faire de nous l'homme selon des hommes et des femmes selon son cœur. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Si vous êtes chaud, alors fermons les yeux et disons tous, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es le chemin. Nous savons que tu as la lumière. Fais descendre la lumière sur nous et dans notre vie. Couvre-nous de ton esprit. Éloigne-nous les démons qui nous éloignent du bon chemin. Et remets en nous le zèle pour l'évangile, pour la prière et l'adoration véritable à notre Dieu Tout-Puissant. Ne regarde pas ce que nous avons commis comme péché, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, une bonne fois pour toutes. Pardonne-nous, enfants. Retire les paroles de malédiction que tu as prononcées sur nous, afin que nous puissions te voir, ô notre Dieu. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons que tu sois notre guide pour toujours. Nous voulons que notre esprit repose en paix chaque nuit et que notre sommeil soit paisible. Tous ceux qui ont abandonné la foi, qui sont maintenant empêchés par les demandes de prier, maintenant libère-les et ramène-les vers toi, Jésus. Je envoie ton esprit vers eux, vers tous les vrais chrétiens qu'ils ont perdus, ramène-les vers toi. Toutes les personnes qui ont écouté ces témoins puissants, que les témoins puissants les touchent et les délivrent de tous les sorciers qui se trouvent derrière elles. Que ta grâce, Seigneur, descende dans notre vie et nous débarrasse de tout ce que nous avons qui ne te glorifie pas. Tout ce que nous avons dans nos maisons qui ne te glorifie pas, Seigneur. Que cela soit même révélé en plénitude dans ce témoin puissant, afin que nous puissions nous en débarrasser. Seigneur, ne permets pas que notre cœur soit dur à l'écoute de la vérité. Que toi-même, tu viens nous délivrer aujourd'hui. Tu viens nous affranchir pour la seule gloire de ton nom. Toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'était témoin puissant. Et ça parlera de beaucoup de choses. Sans doute, je n'ai pas pu vous dire certaines choses. Mais c'est témoin puissant. On va entendre cette femme-là qui va nous parler des talents, des roues talents. Et comment on nous dit que les roues talents sont des instruments du diable. Jésus. Il y a trop de choses, il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pourquoi nous avons dit dans la précédente image, par la suite de la partie communauté de cette chaîne, nous avons dit que nous sommes de retour, nous allons commencer à faire beaucoup de vidéos. Soyez prêts à recevoir beaucoup de vidéos. Vous pouvez recevoir ou pas les notifications sur nos prochaines vidéos. Mais nous serons là parce qu'il est l'heure de se réveiller. Maintenant, nous allons écouter le témoignage en long et en large. Soyez concentrés et ne permettez pas au diable de vous distraire. C'est parti. Écoutons ensemble. Let's go.
J'étais au bout de ma maison en train de lire la Bible quand j'ai commencé à avoir envie de prier. Alors j'ai recommencé à prier, alors j'ai ressenti la même sensation que le 19 avril 2020. J'ai Wow. commencé à avoir peur d'avoir une autre expérience en enfer, mais en même temps j'étais curieux d'entendre une voix me parler. J'ai demandé qui c'était, j'ai entendu la voix de l'ange qui est venu précédemment, qui m'a dit, je suis envoyé pour vous en dire plus sur le monde des esprits et les stratégies de l'ennemi contre les élus. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer et soudain mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai vu l'ange qui m'a été envoyé. Je peux dire qu'il était grand. Je ne pouvais pas voir son visage à cause de la lumière qui émanait de lui. Il m'a dit que le Seigneur veut élever ses serviteurs dans ce pays qu'il utilisera pour détruire les intérêts de l'ennemi dans ses territoires. L'ange m'a montré dans une vision ma tablette avec mon profil de Facebook qui était ouvert et m'a dit, à travers les réseaux sociaux, l'Antéchrist régnera sur le monde. Il utilisera les données collectées à partir des profils des utilisateurs et il lui sera facile de capturer des gens dans n'importe quel pays du monde. Tous Wow. ceux qui refusent de recevoir la marque de la bête seront tués et ils seront localisés et identifiés via le profil du réseau social. L'ange du Seigneur m'a montré un étrange démon de taille moyenne. Il avait l'apparence d'un lézard coloré et l'ange m'a dit que c'est le démon du réseau social. Il gouverne et opère dans le réseau. Ceci est l'essentiel de son domaine. Il règne sur les réseaux sociaux qui lui a été dédié, et il est en charge de capter l'attention des gens et de garder les gens de nombreuses heures en ligne dans le réseau social. Mes frères, j'ai été surpris parce que même derrière Facebook, il y avait des démons qui agissaient pour amener les gens à rester des heures en ligne. À ce moment-là, j'ai supprimé mon profil Facebook et à ce moment-là, j'ai compris que à cause de Facebook, je n'avais aucune disposition à prier, car au lieu de prier, je restais connecté pendant longtemps. Frères, nous devons être diligents dans notre vie spirituelle car les démons sont terribles. La stratégie de ce démon de Facebook et du réseau social est de détourner notre attention des choses spirituelles. Ils sont conscients que plus nous prenons soin de notre vie spirituelle, moins ils ont de pouvoir contre nous. Alors l'ange m'a montré une autre vision et j'ai vu une usine. Quand nous sommes entrés dans cette usine, j'ai remarqué que c'était une usine de chaussures où ils fabriquaient de nombreux styles de chaussures. Et là, j'ai vu des femmes acheter différents modèles de chaussures à hauts talons de différentes tailles. J'ai aussi vu que ces femmes qui achetaient ces hauts talons quand elles se promenaient dans la rue, elles étaient accompagnées de démons d'apparence féminine. À cause de ces hauts talons, l'ange m'a dit tout de suite que ces démons féminins sont envoyés par le principauté de la sensualité. Les femmes qui achètent ces chaussures à hauts talons donnent l'égalité à cette principauté de séduction pour agir dans leur vie. Puis l'ange a donné cette référence biblique, Ésaïe 3 versets 16 à 17. Qui dit, parce que les filles de Sion sont hautes et marchant avec la tête haute et les yeux aveugles, caracolant et sautillant au fur et à mesure, faisant tinter les bracelets sur leurs chevilles. Le Seigneur apportera des plaies sur la tête des filles de Sion, et le Seigneur rendra leur front nu. Je n'ai jamais appris dans mon église que c'était un péché de porter des chaussures comme des hauts talons auparavant. Quand j'ai eu cette révélation, j'avais 6 paires de hauts talons que je porte toujours quand je vais à l'église. Nous avons quitté l'usine qui concevait des chaussures et j'ai vu un magasin de vêtements et là j'ai vu des shorts pour hommes et femmes. J'ai vu des chemises sans manches conçues par divers démons qui riaient avec sarcasme. L'ange me dit, le corps que j'ai est la demeure de l'Esprit Saint et les chrétiens devraient s'habiller modestement avec modestie. Ces démons dans ce magasin travaillent dur à travers la mode pour que ceux choisis le sans manches tombent subtilement dans la mondanité. Ces démons ont réussi dans l'église. L'ange m'a emmené dans la vision à un autre endroit et j'ai vu une église qui était pleine. J'ai vu le pasteur de cette église dans la chair qui prêchait l'évangile de la prospérité dans une campagne. J'ai vu des démons autour de l'église. Et un démon debout se tenait à côté du pasteur. C'était le démon faiseur de miracles. L'ange m'a dit, dans les églises où la vérité n'est pas prêchée et dans les églises où la prospérité est prêchée, les démons font des merveilles, des miracles et des signes. Afin de tromper les foules, ces ministères sont de vrais chemins vers l'enfer, juste Wow. parce qu'ils n'enseignent pas la sainteté. J'ai demandé à l'ange comment serait ma situation dans notre église avec cette nouvelle expérience. Parce que j'étais préoccupé par la situation dans mon église, le pasteur était mauvais et m'a discipliné car il ne croyait à aucune sorte de révélation, et à cause de cela il ne voulait pas m'écouter. L'ange m'a dit, votre vie sera élevée dans le ministère et vous serez engagé pour le salut des âmes et vous ferez beaucoup de dégâts dans le royaume des ténèbres en Asie. Vous aurez bientôt le pouvoir de Dieu pour chasser les démons et l'autorité d'évangéliser. Vous devrez être baptisé avec l'Esprit Saint pour exercer cette autorité.
Vous serez marié à un serviteur qui sera élevé comme pasteur dans son ministère et sera rapide dans la doctrine. Vous serez le missionnaire et l'assistant. Restez seulement un humble serviteur et ne laissez pas l'orgueil vous contaminer à nouveau. Et après avoir dit cela, l'ange a disparu dans la lumière et mes yeux se sont rouverts. Sans tarder, j'ai supprimé mes profils Facebook et Instagram. Puis j'ai décidé de détruire mes 6 paires de hauts talons que j'avais jetés à la poubelle au cours de la journée. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise quand je m'habillais avec des vêtements serrés et une chemise, ce qui m'a amené à en jeter quelques ensembles. 2 jours après cette expérience, j'ai vu un terrible démon sans forme qui m'a laissé, et il entrait dans le brouillard noir, alors que j'étais dans mon bureau dans la nuit. J'avais peur quand il a dit ne pas parler de tout ce que vous avez vu. Si vous nous exposez, nous vous suivrons pour que vous ne livriez pas ce message. Et il y aura la guerre. Et j'ai réprimandé ce démon au nom du Seigneur Jésus. Quand il a finalement disparu en émettant un rire effrayant, laissant un sentiment de peur dans l'environnement de ma chambre, je suis entrée dans ma chambre pour prier intensément jusqu'à ce que je me sente habilitée. Il était facile pour moi de sceller ces messages qui m'ont été donnés et les démons ont travaillé contre ma vie. À cause de ces démons, Asie est un vrai champ de mine de démons. Et le Seigneur a dit moi plutôt que du Japon, il lèverait une armée de guerriers spirituels et de gardiens pour la libération de notre continent et le salut de nombreuses âmes. Il existe de nombreuses religions mystiques qui sont des barrières pour la diffusion de l'évangile en Asie, et cela nécessite des guerriers élevés par Dieu pour faire tomber ces oppositions. Mes batailles ont été constantes, mais j'ai conscience que le Seigneur est aux commandes de ma vie. Le temps est bref pour l'humanité. Nous devons toujours faire la volonté de notre Seigneur. Mais quand nous constatons que nous sommes dans une grande bataille, nous continuons à rechercher la plénitude de l'Esprit Saint dans nos vies. Afin de résister aux jours d'angoisse et de ténèbres qui peuvent survenir à tout moment, nous recherchons la sainteté et la justice chaque jour de notre vie sans nous soucier des conséquences. Je persisterai à répandre le message du Seigneur sans relâche comme son fidèle serviteur. Voilà. Là, nous venons d'écouter le témoignage. C'est un témoignage extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, une autre vidéo va suivre. Bon, en fait, on a fait déjà une vidéo hier. Cette vidéo va apparaître ici sur l'écran dès que possible. Peut-être que vous la voyez en ce moment. Vous allez voir dans cette vidéo comment des sirènes, des serpents sont en train de faire des choses sur notre dos juste en utilisant des choses simples comme les clips, tout ce que vous avez l'habitude de voir à la télévision et sur les réseaux sociaux. J'ai donné plein de détails par rapport à ça. Beaucoup de personnes, certaines personnes l'ont regardé, peut-être que vous n'avez pas regardé. Allez voir et vous allez comprendre encore. Vous allez non seulement comprendre et voir de vos yeux ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans le monde du jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden avant, avec Ève. C'est ce qui continue aujourd'hui. Vous allez voir comment le diable utilise les stars de la musique pour détruire le monde, y compris la jeunesse, même les enfants. C'est triste, mais c'est vrai. Donc là, ça va aller bien au-delà de ce que vous pensez. Tout ça, c'est pour que vous soyez vraiment prudent dans la vie, parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas celui que vous croyez. Il y a des démons comme ça qui sont juste là derrière les gens pour faire de vilaines choses. Vous voyez un gars, il fait de vilaines choses, il fait de vilaines choses, il fait de vilaines choses. Il n'est pas seul. Derrière lui, il y a des démons comme ça. Quand vous voyez de telles images, je ne pense pas que c'est là juste pour rigoler avec vous. Ce sont les choses qu'on a l'habitude de voir dans le monde des esprits. Quand vous le voyez comme ça physiquement, qu'est-ce que vous dites? Méfiez-vous des vêtements sexy, les femmes, les hommes. Méfiez-vous des femmes qui exposent leur corps. Faites très attention. Celles qui sont dans les pantalons, de se plaquer, passer par là. Même si elles prêchent à l'église, faites terriblement attention. Si vous voyez une femme à l'église, elle prêche. Et elle a bien un pantalon ou un vêtement sexy. Méfiez-vous de cette femme-là plus que même du diable. Méfiez-vous d'elle plus que même du diable. Faites très attention. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais faites ce que je suis en train de vous dire. Les gens travaillent avec le diable alors qu'ils parlent de Dieu. Les chrétiens,
Les chrétiens, les vrais chrétiens, je vous parle. Les gens travaillent pour le diable alors qu'ils parlent de Dieu matin, midi, soir. Ils parlent de Jésus. Ils nous font croire qu'ils glorifient Dieu. Mais en réalité, il y a le diable derrière eux. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, qui viennent de Dieu et qui seront sauvés. Non. Il y a beaucoup de sorciers même qui appellent Dieu, qui disent Dieu comme vous, alors qu'ils ne sont pas mignons. Les réseaux sociaux, les vêtements qu'on achète sur le marché, vraiment, soyez prudents. Tu vas tomber prendre ton argent pour acheter un truc et le truc est possédé. C'est un serpent, on te vend ça. Le monde est vraiment sans pitié. L'homme qui est autour de nous, l'homme ne respecte pas un autre homme. L'homme ne respecte pas un autre homme. Faites attention. Cherchez à avoir la crainte de Dieu et faites ce que je vous ai dit. Avant de vous endormir, priez, lisez la parole de Dieu, louez Dieu. Réveillez le matin, priez, lisez la parole de Dieu, louez Dieu. Même si c'est une seule phrase que vous allez lire, cette phrase peut vous sauver. Un seul mot suffit pour que Dieu transforme la vie de quelqu'un. Mais il faut un mot. Mais si vous ne lisez rien, vous n'allez pas gagner. Vous risquez de rester en chemin à cause des démons qui sont de travailler pour votre perte. Je vous aime, les frères et sœurs. Je vous aime. Je ferai tout ce qui est possible avec l'aide de Dieu pour vous offrir des choses qui vont sauver votre âme et vous garder sur le bon chemin tout le reste de votre vie. Restez connectés sur ce point. Rendez-vous pour la prochaine vidéo dans juste quelques heures. C'est parti.